Hop, et là du coup je dois aller voir le programme Lila, ok, chambre 220. On va aller la voir. Donc, hop. Sandrine, tu prends l'accueil, je vais aller mettre les piqûres. Ouais, dans la salle 220. C'est pas du tout. Bah ouais. Maintenant, tu vas respirer normalement, s'il te plaît. Ok, au niveau là, au niveau de la respiration, il est nickel. Hein. Hop, il faut que je m'en souvienne. De toute façon, tu diras que je suis passée s'il y a l'infirmière qui passe. Ok. D'accord. Maintenant, on passe à ça, ma belle. S'il te plaît, les cartes. D'accord. Ouais, c'est le moment de faire le contrôle, pas le moment des cartes. Ouais, je vais le tenir comme ça, ça va être mieux. Hop. Tu peux mettre ça là? Non, ok. Voilà. Allez, t'es prête? Oui. C'est parti, poupée. Hop, je resserre ça. Ça va, t'as une bonne tension normale. Attends, hop. Hop là, ça c'est fait. Donc, il faut la piqûre de toutes les semaines, comme d'habitude. Du coup, je vais te la faire, d'accord? Toutes les semaines? Ouais, t'en as fait une la semaine dernière. Oui. Tu l'avais fait avec Caroline, oui. Je crois. Voilà. Ça ne faisait pas du tout mal. Ben voilà, moi non plus, ça va pas trop. Quand ça se dit pas, j'ai plus peur. Je mets mes petits gants. Alors, t'as fait quoi aujourd'hui de beau? T'as joué aux cartes? Oui, j'ai joué aux cartes. J'ai vu ta maman, elle est venue te voir tout à l'heure. Oui, et elle a joué avec moi à un perfeuille-ciseau. J'ai dormi un petit peu. Voilà. D'accord. Alors, je me remets un petit coup de gel. Je me suis brûlée tout à l'heure, ça me fait mal. Avec quoi? Avec mon repas du midi. Ah, il était trop chaud. Ouais. Mmh. Tu vas rester comme ça, s'il te plaît, ne pas bouger. Pour l'instant, ça fait pas mal. Pour l'instant, c'est que pour désinfecter. De toute façon, tu l'as fait avec Caroline. Hein. D'accord. Hop. Et j'ai pas fait encore avec toi. Bah ouais, mais tu vas voir, c'est la même chose. Hop. Tu le sens le produit là? Oui. Voilà, on va bien. Sens pas beaucoup. Tout désinfecté. C'est l'heure. T'es prête? Oui. Attention, 3, 2, 1. Ça va? Hop.
Tiens-moi ça. Hop. T'es une grande fille. Tu l'enlèves pas, hein. J'en ai laissé son autre poil. Ça pique un peu, mais c'est pas grave. C'est normal, ma puce. T'en fais pas. Hop. Lâche. Hop. Ça va? Oui. Parce qu'elle a le Covid, tu peux pas te faire des bisous, c'est dommage. Allez, oh, je mets un peu de gel, ma puce. D'accord, j'ai pas un petit peu. Bah, le repas il arrive dans 30 minutes, un truc comme ça, de toute façon je te le rapporterai. Normalement, c'est moi qui fais les repas ce soir pour les enfants. Ouais. Donc je te le ramène, Marie. Tu veux rejouer aux cartes? Je veux jouer à tes cartes. D'accord. Bisous, ma poupée. Elle est très forte. Allez, à tout à l'heure. Oula. Non, moi j'ai pas de rendez-vous. Après, moi je suis pas. Moi je travaille pas dans ma cabinet, hein. Je travaille dans l'hôpital. Vous deviez avoir rendez-vous avec quel médecin? Parce que moi là j'ai la liste des médecins de moi, ça c'est mes yeux quoi. Et il n'y a aucun médecin dont vous me citez qui sont dans la liste. Après moi je travaille pour les enfants, je ne travaille pas pour les adultes, donc peut-être que. Ah oui, d'accord. Ah ben, si c'est comme ça, si c'est pour les adultes, je vous fais passer à ma collègue et elle va pouvoir vous donner votre rendez-vous et l'heure parce que ben, moi, du coup, j'ai aucun de ces médecins dans mon dossier. Voilà. Ouais, il n'y a pas de souci. Ben, de toute façon, je vous la passe en temps. Merci. Bon, ça c'est fait. Hop, ensuite. Ok, 19h15. L'heure du repas, c'est parti. Oh, j'en mets ça là, le coup, j'en peux plus. Tac. J'ai pas eu d'appel d'urgence aujourd'hui, tant mieux. Ça va. Allez, vous avez fini le repas? Ouais, parce que je vais venir le chercher là. Vas-y, y'a pas de soucis. Tchou. Tu t'es lavé les mains tout à l'heure? Oui. Ah bah tant mieux, c'est bon alors. Ta couleur de ma vie, tu vas manger là, alors tu viens te laver les mains. C'est Caro? C'est Caro. Alors, pour ce soir, tu as de l'eau, comme d'habitude, une compote, un petit suisse, une petite soupe, et voilà. Tu me dis si tu veux du pain ou autre chose, d'accord? Et je viens te le rechercher dans une heure à peu près, le temps que tu finisses d'en manger, que tu digères, je te rapporterai ça là-bas, voilà. Allez, bon appétit ma puce. Qu'est-ce qui se passe? Problème de tension, passe-moi ça. Non. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste que j'ai pas faim, je peux manger après. Et est-ce que ça a été ma maman? Alors attends, pour ça oui, mais pas trop tard non plus, hein, parce qu'il faut bien que tu te couches avant 21h. Et sinon, pour ta mère, ouais, je te ramène le téléphone. Allez, je te ramène ça. Hop, tiens, ma poupée, je te mets le numéro. C'est le numéro. Tu connais le numéro? Oui. Ok, donc c'est bien celui-là, hein. On est d'accord? Oui. Ok, bah vas-y, je te laisse appeler et je te laisse devant la porte de toute façon. Oui. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Alors. Non, c'est pas du tout ça. Hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui Lida, ça va? Tu m'as fait peur, j'ai eu peur, j'ai vu l'hôpital, j'ai eu peur. Oui, donc raconte-moi qu'est-ce qui se passe, raconte-moi un peu, tu vas bien? T'as pris tes médicaments ce matin? T'as tout bien pris? Ils sont gentils avec toi à l'hôpital? Et t'as mangé quoi?
Big Mac, parce que l'infirmière, elle me ramène compote, suisse, deux mots, j'aime pas. Ah non, Lila, arrête. Non, me demande pas ça parce que là, ça va m'énerver pour rien. En plus, je suis en train de faire des papiers. Un McDo? Non mais, Lila, tu te rends compte que t'es à l'hôpital quand même, là? Tu t'es fait opérer quand même. Non, le médecin a dit interdit. Les bonbons, McDo, gâteaux, les sucreries, tout ça, interdit. Voilà, non, c'est mort. Non, je te ramènerai pas ça, Lila. Non, c'est dangereux pour toi, là, je suis en train de faire des papiers. S'il te plaît, maman, j'aime pas le souple. C'est pas bon. T'as faim? Mais pour... y a que de la soupe là-bas, y a rien d'autre? Ils t'ont pas donné une compote, je sais pas, quelque chose? Oui, bah c'est dégueulasse. Pff, bon, arrête de pleurer. S'il te plaît. Je vais venir te voir et je vais voir. Ok, ça marche. Arrête de pleurer, c'est bon, calme-toi. Oui, calme-toi, je finis et j'arrive. Allez, à tout à l'heure, ma puce. C'est bon, arrête. Ok, maman. À tout à l'heure, je t'aime. Bisous. Oh là là, c'est pas possible. Bon. Mais non, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce que t'as dit à ta maman? Je lui ai dit qu'elle me manque beaucoup. Et elle a dit qu'elle vient ce soir. D'accord. Détends-nous. Mais je te dirai quand elle est bête. On l'accueille, hein. De toute façon, tu verras. Allez, bisous ma poupée. Si t'as envie d'aller faire un tour dans l'air de jeu en bas, à l'escalier, t'y vas. Hein. Oui, j'ai une poupée. Bah, attends que Caroline vienne, elle pète tes chaussures. D'accord? Allez, bisous. Le McDo, c'est bon. Comment je vais faire pour emmener ça? Pour pas me faire cramer. Voilà, s'ils voient ça, ils vont jamais me laisser. Comment je fais? Je vais prendre des affaires. Ouais, je sais, attends. Ah, je sais. Voilà, je vais prendre ça. Hop. On va mettre ça là-dedans. Voilà, mais la boisson, elle va... Oh. Mettre ça là-dedans. Comme ça, hop. Je vais dire que j'ai ramené des affaires, j'ai ramené un jouet. Salut, dresseur. Okay. Donc ça, je prends ça comme ça. Et ça, oh là là. Ça. Voilà. Allez, on y va. Moi, là, j'ai pas sur le dossier, je suis désolée. Oui, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, bonjour. C'est à l'accueil avant d'aller dans la. D'accord, vous ne savez pas. Attendez, deux petites secondes, s'il vous plaît. Oui. Je suis venue pour Lila. Lila de la Madame Malpour. Oui, c'est ça. Vous mettez vos du gel, ça fait pas de mal. D'accord, pour Madame Malpour. Vous deviez venir à quelle heure? Comment? 20h. Vous deviez venir à quelle heure de base? Parce que moi, il y a des rendez-vous ici, on n'a pas. On n'est pas à la forêt, hein, Je suis venue lui amener des affaires parce qu'elle a plus de vêtements, rien. Donc je vais juste la faire. Excusez-moi, mais ça ne marche pas comme ça. Ça fait 150 fois que je vous le dis. J'aimerais savoir ce qu'il y a dans le sac, s'il vous plaît. Il y a des vêtements. Ben, donnez-les-moi. Qu'est-ce que vous attendez? Il y a des vêtements, mais je veux les voir. Mais pourquoi vous voulez voir ces vêtements? C'est une culotte et tout, j'ai pas envie de vous montrer la culotte de ma fille. Oh, et elle a pas 40 ans, elle a 6 ans, d'accord, j'en ai une chez moi, donc s'il vous plaît, montrez-moi ça. Parce que des fois, il y a des produits qui rentrent et tout, moi je veux pas. Allez, c'est la procédure, madame, je suis désolée, c'est comme ça. Excuse-moi. Et qu'est-ce que c'est que ça? Vous croyez que je suis aveugle, madame? Non, mais là, j'ai mis un épaule et j'ai mis une attelle. D'accord. Non, mais là, c'est parce que j'ai très mal à l'épaule et j'ai mis une attelle. Jouer. Mais oui, il n'y a que ça à aller. Honnêtement, ne touchez pas. S'il vous plaît, j'appelle la sécurité. Eh ben, c'est un vêtement, ça aussi, madame. C'est un vêtement, ça. Non, mais on est où là? C'est complètement dangereux en fait pour votre enfant. Mais on est où là pour votre enfant?
Bon, c'est une affaire avec vos vêtements, non, mais n'importe quoi, vous n'allez pas faire. Mais là, c'est quoi ça? Moi, je veux voir. Parce que je veux voir. Allez, montrez-moi votre appel. Allez, montrez-moi en plus, je suis infirmière, je veux bien voir votre appel. Oui. Montrez-la moi. Allez, sortez-la, votre appel. Oh, bah, et voilà. Qu'est-ce que vous êtes, Joséphine Ange, gardien? Vous cachez des trucs, vous prenez tout en âge. Et ma fille, elle a faim. Elle a faim, ma fille. Vous comprenez? Vive fort, ma femme! Mais c'est ça, ce que vous donnez à ma fille, c'est dégueulasse. Ça pue. Nous sommes médecins, ok? Médecins. D'accord. Et moi, je suis une maman. D'accord. Bah, si vous êtes une maman, mais attendez. Cool, moule, doule, et que vous vous en foutez de votre avenir et de l'avenir de votre enfant qui pourrait avoir des maladies, du diabète à cause de ça, c'est comme vous vous entendez, d'accord? Donc maintenant, vous allez sortir d'ici, vous allez rentrer dans la chambre, mais sans ces affaires. C'est tout, maintenant. Mais vous prenez pour qui? Oui, oui. Oh là là, n'importe quoi. Ah, parce qu'on est à l'hôpital français, quoi. Non. Ouais, l'hôpital français, on ira. Allez-y, aux hôpitaux portugais, vous verrez que tout le monde est malade, ils sont tous avec du diabète. D'accord, n'importe quoi. N'importe quoi, celle-là. C'est quoi ces gens, moi? Entrez. Coucou, monsieur. En fait, je t'explique. J'ai mis ton McDo là-dedans, je l'ai caché. Et cette vieille folle, elle a vérifié dans le sac et elle a trouvé le McDo. Et quoi tout le temps? Et là, il n'y a que des vêtements dedans. Elle veut pas que tu manges McDo. Oh ma chérie. Essaye de manger, ok? Faut pas que t'aies faim. Et toi, ça va sinon? Ouais. T'as pris tes médicaments? Bon. On va voir, demain je vais essayer de trouver la meilleure solution, d'accord? Cette fois ça n'a pas marché, demain on va essayer de faire autre chose. En vrai de me dire ça, ça me fait de la peine. Ah ouais, maman. Je peux pas rester plus longtemps. Maman, ça j'ai fait un cadeau pour toi. Je reviendrai peut-être ce soir ou demain, ok? Là, je dois absolument rentrer pour faire des papiers et tout, là. Et j'essaie de te ramener un truc bon demain, ok? Des bonbons, maman. Tu veux des bonbons? Je vais voir ce que je peux faire, ok? Allez. Bisous. Et prends bien tes médicaments. Soigne-toi vite. Mais tout vu. Ceci, là. Bon, du coup, je ramène ça. Le laisser ici, ça. Pourquoi? Parce que même pour vous, c'est pas quoi, faudrait faire un régime, hein, moi je vous le dis. Allez, vous laissez ça là. Non, mais madame, j'ai acheté ça, je vais aller manger ça moi-même. Non, c'est hors de question, vous allez ici, il y a tous les crottes de sang en plus, on est où? Vous voulez manger ça? Vous voulez attraper le gros virus? C'est comme vous voulez. Vous mettez même pas un masque, mais vous prenez pour qui? Moi j'ai mes plastiques qui me protègent du corps. Ah bah oui, mais tellement vous êtes un médecin réputé en France. Vous avez trop raison. On sortait de cet hôpital. Tu m'as dit qu'est-ce que j'en peux plus, moi. Oui, je vous laisse ça là et puis là plus tard. Hein. Vous êtes vraiment ravagé. Vous revenez quand? Je sais pas. Non, mais vous prenez pour qui? Ici, c'est pas chez vous. Hein. Je vais pas venir à minuit, 1h du matin. Vous prenez quand vous voulez, vous venez. D'accord, bah je vais appeler. J'ai le droit d'appeler? Oui. Elle m'appellerait moi, ça toi, c'est moi qui décrochera. Pas de soucis. Voilà. Au revoir, vieille folle. Ouais, c'est moi qui appelle la voiture avec lui. Ah, aussi, moi je vous le dis. C'est bien, allez. On est où là? Allez, hop. Moi, écoutez, j'ai pas de problème de santé. Il y a personne. Allez, hop. Moi, je vais faire mon petit McDo. Ha ha ha. Ha ha ha. Oui, allô, bonjour. Oui, c'est Madame Aïpour, la maman de Lila. Est-ce que je pourrais parler avec Lila, s'il vous plaît? Ça marche, merci. Oui, coucou ma chérie, je te rappelle. Pour demain, je travaille toute la journée demain, donc je ne vais pas pouvoir venir. Mais mamie, elle va passer et je vais lui envoyer un message pour qu'elle te prenne les bonbons et tout que tu veux, ok? Parce que moi, je pourrais vraiment pas venir. Oui, t'inquiète pas, mamie, elle va te ramener ça. Je vais lui dire. Donc, mamie, c'est mamie qui te ramène ça demain. Ok, ça marche ?
Là, je vais dire à l'hôpital aussi. Ok. Allez, bisous. Bisous, bisous. C'est bon. J'appelle ma mère. Oui. Allô, maman. Tu vas bien? Bah écoute, ça va. Je suis allée voir Lila tout à l'heure. L'hôpital, oh, ils sont chiants. Ils veulent même pas qu'elle mange une frite qui vient du McDo. Bref, n'importe quoi. Donc je me suis un peu engueulée avec eux et tout. Parce que j'avais caché le McDo dans le sac et ils m'ont cramé. Voilà. Mais du coup, Lila elle était super triste parce qu'elle avait super faim et là elle veut des bonbons etc. Donc demain est-ce que tu peux lui ramener ça s'il te plaît toi? Parce que demain je travaille toute la journée moi. Donc ouais, je veux bien que tu lui ramènes ça. Ça marche, merci maman. Bah je t'envoie par message tout ce qu'elle veut etc. Et tu lui prends, tu passes à la maison. Ouais, passe à la maison, y a aucun souci. Tu passes à la maison, tu lui prends tout ça et je te prépare tout ça là. Et tu lui prends et tu lui ramènes. Ok, ça marche. Vas-y, alors bisous. Merci, hein. Bisous. Ok. Parfait. Allez, hop, je vais préparer ça. Bon, allez, hop. Je vais préparer là. Ça, elle aime trop. Ça aussi. Allez, en burger, elle aime trop aussi. Les petits œufs comme ça. Kinder, ça. Bon, tout ça, elle aime trop. Allez, je lui envoie un message. Je te mets tout sur la table basse du salon. Je vais lui envoyer une petite photo en même temps. Hop. Ok, parfait. Allez, hop. Maintenant, on fait les papiers et au dodo. Hein. Ça suffit, là. Oh. Il y a quelqu'un? Bon, il y a quelqu'un ici? Bon, il laisse toujours la porte ouverte, c'est pas possible, mais c'est pas possible, bon. Ils sont où les bonbons? On m'a dit la table basse du salon, bon bah ça doit être ça. Oula, mais d'accord. Ah oui, quand même, hein. C'est quand même beaucoup de bonbons, là. Elle abuse un peu, là, la mère. La mère Noël. Bon, je vais pas tout ramener, hein, c'est bon. Comment je vais ramener ça, moi? Ils vont me regarder, là. Ah oui, j'ai une astuce. J'arrive. Hop. Ceci est un masque normal. Eh bien non, c'est un sac en fait. Donc ici, on peut mettre quoi dedans? On peut mettre des Smarties. On peut aussi mettre un œuf. On peut aussi mettre deux Malabar. Et ça passe crème. Voilà. Et c'est pas trop là. Allez, on va enlever la boîte. Hop. Ah bon ça. Voilà, très bien ça. Ça c'est bon. Ensuite. Ça. On va le mettre là. Hop. Très bien. Ça, où est-ce qu'on peut mettre ça? Allez. Ici, ils vont croire que j'ai des gros seins. Allez. On va mettre encore plus. Ils vont croire que j'ai des gros nénés. Oula, ça dépasse. Bon allez, ça suffit, hein, c'est bon. Bon, ça, on va mettre ça. Là. Là. Ça, on va le mettre sous le foulard. Ni vu, ni connu. Allez, c'est parti. Hein. Le reste, on s'en fout, elle aime pas trop. Allez. Vous dormiez, je n'ai pas vous réveiller. D'accord, vous venez pour qui là?
pour mademoiselle Lilac, bon, mais chez vous, cette famille, hein, de venir repasser, mais vous vous prenez pour qui? Désolée, madame. Bon, mais pourquoi, là? Ah ah ah. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ramenez quoi, mademoiselle Lilac, là? Ah, je ne ramène rien du tout. Revenez, vous allez faire la procédure, parce que c'est le moment où je vais donner quelqu'un. Hop, tournez-vous. Lâchez-vous, lâchez. Allez, mettez vos mains normales, s'il vous plaît. Oui. Et tournez. Vous pouvez faire une petite, un petit, s'il vous plaît. Ok. Pourquoi vous avez du scratch là sur votre masque? Vous avez un masque depuis le début du Covid, c'est quoi? Non, c'est parce que je mets deux masques pour me protéger encore plus. D'accord, bah enlevez celui-là pour voir le deuxième. Non, mais ils sont collés. Ouais. Désolée. Bon, enlevez vos lunettes deux secondes. Et pourquoi? Bougez la tête. Ouais. Allez-y. Bon courage. Oui, bon courage, oui. Quand vous éduquerez votre fille, après on va avoir de courage. Après. Coucou ma chérie. Pourquoi t'as dit ce que je trouve? Oula, longue histoire, hein. Ça va ma chérie? Oh mon bébé chat. Oui, je t'ai emmené les bonbons, ils vont pas cramer. Alors attends, j'en ai plein. J'en ai plein partout. Attention, allez hop là. Bon, ta mère elle a abusé, hein. J'en ai encore. Là. Il en est encore. Ton préféré. Et... Ah si, bah oui, j'en ai dans le masque, j'espère. Allez, hop, tiens. C'est des Smarties. Pourquoi? De rien, ma chérie. Bon, t'es contente? C'est bien ici? Oui, bien joué. Voilà, c'est un mouton. Yeah, un mouton. Bon, t'es bien ici? Ça va mieux, tu sors dans combien de temps là? D'ici 2-3 jours, non? Oui, peut-être. Oui, je sais pas. La dame, elle m'a dit que je sors dans 10 jours. Dans 10 jours? Non. Oh là là. Si on fait ça tous les jours, ça va pas le faire, hein. Bon, tu caches tout ça pour que l'infirmière la voit pas, hein. Allez, je remets mon masque, moi. Du coup, tout ça, tu veux pas? Non. Bon, je te laisse les malabars, tiens. Là, je vais les manger moi-même. Allez, je te laisse, parce que sinon l'infirmière, elle va venir voir. Je t'aime, moi. Oh. Allez, bisous ma puce. Bisous mamie. On se voit demain, d'accord? Mange bien surtout, hein. Oui. Oh, elle est trop bien ce jouet. Oui. Allez. Comment on ouvre ça? Trop beau. Je prends. Merci madame, au revoir. Hey. Oui. Alors ici, vous nous prenez tous pour des pigeons. Mais quoi? Donc tous vos trucs ici, dans les cheveux, c'est parti. Mais là, demain, non, mais c'est quoi ça? Venez, c'est bon, je suis une femme, je ne me vais pas ici avec plein de choses. Là, ici, il y a plein de petits trucs. Parce que c'était? Ah oui, c'était parce que j'avais mis mes chaussettes ici. Parce que moi, j'ai froid. Alors, c'est en train de mentir parce qu'en venant, ça avait déjà ses chaussettes. Non, mais c'est parce que j'avais mes chaussettes encore en dessous de mes chaussettes. D'accord, bien. Et j'avais mis ici. Et j'avais rien du tout. Vous accusez les gens, attends! Ah bon? Là, vous allez m'énerver! Ah bon? Oui. Et si je vais dans la chambre et je trouve des trucs? Mais vous trouvez rien du tout. Je vais dans la chambre de la petite. Eh bien, allez-y. Ah.
Ah ouais. Vous accusez les gens à tort. Eh, vous allez rester ici jusqu'à ce que je trouve quelque chose. Non, rien du tout. Vous n'êtes pas vraiment devant moi. Allez, au revoir. Allez, ouais, on verra. Vous aurez des problèmes avec la justice si vous avez ramené des trucs. J'ai rien ramené du tout. Vous êtes une folle dingue. C'est de mes justices, hein. Non, n'importe quoi. Cet hôpital, c'est nul. Je vais mettre un avis nul sur Google. Allez-y, voilà. Sandrine. C'est quoi ce prénom? Je m'appelle Sandrine, mais si elle raconte, c'est là. Vous m'appelle Valérie. Si, vous appelez Sandrine. D'accord, comment vous appelez Sandrine, la sardine, tu vas te calmer. Et vous appelez comment? Moi, je m'appelle Marie. Marie? Et Marie, le pipi, vous allez faire quoi avec votre petit pipi? D'accord. Allez, sortez de mon hôpital. Allez. Sortez de ma chambre! Mais oh, on est où là? C'est bon. Moi, j'habite dans la chambre de la petite fille, hein. Moi, je ne peux pas hésiter. Et moi, je fais honte dans mon hôpital. Ça va? Ouais, on va faire le petit contrôle du sang. Elle t'a ramené quoi, ta grand-mère? Rien? Non. Oh, t'es sûre? Tu me prends pas un peu pour une débilos? Non. Ramène, montre-moi ton cœur, ma puce. D'accord, tu vas venir te lever, je vais prendre ta... Je vais te mesurer. Ah bah, eh ben, quand je vous le dis. Quand je vous le dis. Non mais en plus, le pire c'est quoi? C'est que vous partagez même pas. Non mais vous croyez que... Bien merci. Vous me laissez manger des bonbons et je partage avec vous. Et c'est comme ça. Ouais. Docteur très très gentil. Ta grand-mère elle vient. Mmh. Elle ramène... Ta mère elle vient ramener le McDo et ramène pas pour moi. Elle ramène pour moi, elle ramène pas pour moi. Au moins ramène pour moi, non? La prochaine fois j'irai... Ah oui, hein. Non. T'as vu la nouvelle vidéo sur TikTok?